le message du ministre de la Jeunesse à l'abbé. Quand il a dit que la jeunesse a pris sa responsabilité à travers le président de la transition, c'est la jeunesse qui gouverne. C'est la jeunesse qui doit gouverner au compte de la jeunesse et que quiconque n'est pas d'accord doit quitter le pays. C'est du fait de doit quitter le pays, c'est ça qu'il faut, il ne faut pas tolérer ça. C'est comme ça que ça commence. Un ministre ne peut pas dire que si des citoyens, une portion des citoyens n'est pas d'accord avec notre politique, ces citoyens doivent quitter le pays, c'est très grave. Mais on laisse passer ça. Où est la boussole? La politique de l'exclusion prônée par un ministre de la République. La démocratie, c'est la diversité. Même si c'est des jeunes qui gèrent et qu'on exclut des vieux, qu'on exclut tout le monde et on connaît les conséquences aujourd'hui, mais qu'on laisse chacun avec sa voix dissonante, avec son âge, avec sa pensée. Et selon lui, jusqu'en 2040, l'armée doit encadrer le projet Simando. Celui qui n'est pas d'accord, je ne reviens pas sur ce qu'il a dit. Donc, nous demandons à nos sages encore, à nos religieux, qui restent la référence pour nous, de sonner le holà, de dire trop, c'est trop. Nos jeunes enfants, nos jeunes frères, on ne va pas vous laisser aller jusque-là. La vie, c'est l'expérience. Ce qu'un sage, un vieux voit assis, un jeune ne peut pas le voir debout. Il est debout, mais le sage est assis dans sa case, ce qu'il voit, le jeune qui est au dehors ne peut pas voir. Et c'est ça la vie. Les sages n'ont qu'à avoir le courage d'amener la société guinéenne à la compréhension, à l'harmonie.